La ligne Tanger-Agadir, appelée ligne Atlantique. La première phase du projet consiste d'abord à relier Tanger à Casablanca en 2h10 contre près de 6h aujourd'hui. L'accord pour la construction de cette tranche a été signé lors de la visite de Nicolas Sarkozy au Maroc. Elle coûtera 2 milliards d'euros et sera mise en circulation en 2013. La deuxième étape du projet est prévue pour 2015. Un TGV partira de Casablanca pour desservir Marrakech pour finalement relier Tanger à Agadir via Essaouira en moins de 4 heures. Un investissement global de 100 milliards de dirhams, soit 9 milliards d'euros, pour un trajet de 1500 km. L'axe Tanger-Agadir sera mis en service à l'horizon 2030. Une autre ligne, appelée la ligne maghrébine, devrait relier Casablanca à Oujda en 3 heures en passant par Fès et Meknès. L'ambition du projet est plus que régionale, il pourrait se prolonger jusqu'à Tripoli en Libye. 133 millions de passagers attendus bénéficieront de services de haute qualité à travers des horaires cadencés.